quelque 68 millions de gouttes encore dans le niveau ça qui va sortir encore. Nous gagnons tous des coupes que nous opérons tous sous activité et festivité de la période estivale, donc au football, camp et autres, etc. Nous, ça a fait encore quelques 29 millions de gouttes en plus. Nous gagnons tous des montants que nous allons retirer tous sous un pilote privilège, etc., que le sénateur a gagné. Et n'a pas fait en sorte que le sénateur réduit privilège et a plus cette expression, strict minimum pour fonctionner, et fait en sorte que cet argent aussi soit réinvesti et redistribué dans des activités qui sont capables de permettre que nous puissions manger et créer manger pour le peuple capable de joindre manger disponible pour manger à moindre coût, ça veut dire entrer comme là dans les questions de production nationale. Le président de l'Assemblée nationale suggère vivement au président de la République de désigner dans le meilleur délai un nouveau premier ministre qui se rapproche de la réalité socio-politico-économique et sociale que nous vivons aujourd'hui. Il nous en parle. Je suggère vivement que le président de la République là, chef pouvoir exécutif là, prend toute disposition pour que au plus vite il dote le pays à un premier ministre et un gouvernement. C'est notre vœu le plus entier. Mais cependant, vu que pas gain absence de loi qui sous question affaire courante là, et seul ça nous capable dire c'est pour ce président, tant qu'on a occasion de parler avec le président, le président plus vite qu'on capable de choisir un premier ministre, dit tapis bon et le président de répondre. Et là, fait tout ça qui est nécessaire pour que qu'il finisse avec série de consultations que nous faisons, pour que qu'il mette dans une situation pour mettre un gouvernement campé qui est plus proche de la réalité politico-économique et sociale que nous faisons face, je ne le dis. Bon, l'autre prêt, parce que nous-mêmes, pas nous pour inviter, c'est les pour inviter. Nous. Pour le prêt, nous sommes bien contents de rencontrer lui. Sauf que nous avons une loi qui a été votée au niveau du Sénat et de la Chambre des députés en 2009. Et c'est une loi qui a été proposée par le sénateur Steven Benoît. Et loi, ça a son loi sur question affaires courantes. Mais cette loi a été transmise, bien sûr, à l'exécutif d'alors, qui malheureusement va publier. Nous allons prendre connaissance de lui la semaine prochaine. Et pour nous capables de garder lui. Et puis, rappeler au président de la République loi, ça a qui existait. Et qui limitait dans le temps les questions d'affaires courantes. Les habitants de Lens-Affoleur comptent célébrer à grande pompe demain jeudi 26 juillet la Sainte-Anne. Le député de la commune invite aux visiteurs catholiques à venir célébrer la Sainte-Anne de Lens-Affoleur. Il en a profité pour annoncer ses projets d'innovation pour la dite commune. Ses déclarations. Que demain c'est célébré, c'est fête Sainte-Anne, c'est fête Lens-Affoleur et que c'est la caille Sainte-Anne, tout le monde connaît Sainte-Anne. Ok, tout le monde connaît Sainte-Anne et en sa folleur, c'est une fête qui fête, qui a en pile activité parce que c'est un côté qui a au moins 300 pèlerins qui viennent chaque jour. Ok, les fêtes là, ça veut dire qui quantité de monde que en sa folleur recevra. Mais malheureusement, et nous connaissons par rapport à la crise pays, par rapport à problème pays, il y a un pile activité qui fait par rapport à des monde qui dans secteur privé mais nous gagnons et des projets que nous avons en perspective qui pour ta réaliser avant fête là mais qui pas gagne temps mettre mais heureusement et que diligence commence fait que gagne matériel qui commence rentrer dans commune pour que nous capable garder comment nous capable permettre que nous arriver commencer avec projet et surtout enrochement la mer qui c'est un gros problème pour ville là et gain matériel qui commence à rentrer mais malheureusement et l'autre matériel yo pas arriver mais quand même nous et a dit que et président nous t'ai chita avec l'autre jour li kembe promesse li parce que li t'ai relé directeur départemental là qui permet que nous kembe contact avec directeur départemental là qui permet jodi a que matériel commence à déployer pour que nous faire enrochement la mer en sa fouleur et que nous gagnons tout projet route et première section Bat Saint-Anne que nous allons lancer très prochainement parce que Fiopla m'a dit directeur a sauté l'aime que la pral voyer Fiopla aller
et qui c'est dans qui dans budget que nous te gain comme dans budget nous pral lancer parce que gain pile l'autre projet que nous gain perspective que nous pral essayer garder comment nous capable et lancer dans commune là et pour que nous capable permettre que moun yo capable satisfaire mandat nous capable satisfaire par rapport à revendication que yo gagne malgré grand pile problème nous connaît nous pas ca résoudre problème un seul coup mais quand même n'a fait effort pour regarder comment nous capable souquer la bille exécutif là parce que nous même comme parlementaire rôle nous c'est pas pour nous faire projet mais c'est souquer la bille exécutif là et pour tes revendications population en Safoleur pour permettre que projet soit capable arriver à terre dans commune. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mignol Jeune, a présenté ce mercredi en conférence de presse le calendrier scolaire pour l'année académique 2018-2019. L'ouverture des classes se fera le 3 septembre prochain. Dans ce nouveau calendrier scolaire, il y aura 192 jours de classe et 12 jours de congé. Le directeur général en a profité pour présenter les différentes dates importantes pour cette nouvelle année académique. Les responsables d'école auront jusqu'au 17 août 2018 pour faire le dépôt de liste de décisions de fin d'année de l'exercice 2017-2018. Du 27 au 31 août 2018, c'est la rentrée des enseignants. Du 17 septembre au 19 octobre 2018, dépôt de liste de formation de classe de l'exercice 2018-2019. Le directeur général du ministère apporte plus de précisions. Et jeudi, c'est 25 juillet 2018. C'est un plaisir pour nous. Pour nous partager autour du calendrier scolaire pour l'année 2018-2019. Tout d'abord, nous connaissons calendrier, c'est un élément extrêmement important puisque c'est lui-même qui permet de nous voir toute bagaille qu'a réalisé au cours de l'année académique 2018-2019 là. Et nous voulons profiter pour nous remercier tout acteur dans le ministère de l'Éducation nationale qui travaille pour que le calendrier devienne effectif, je ne veux dire. Nous voulons particulièrement remercier et féliciter le ministre qui a toujours donné tout apport dans la question de l'éducation dans le pays d'Haïti, dans la question que nous gagnons l'autre éducation, l'éducation qui chita. Sous les feuilles de route du gouvernement, Jean-Président est venu là, éducation de qualité. Et nous pouvons faire un pile d'effort et nous travaillons très sérieusement pour que l'éducation dans le pays d'Haïti devienne une véritable éducation de qualité qui va permettre de nous gagner dans l'autre société. Et tout ça, nous sommes obligés d'organiser à l'aide d'un calendrier tout ça que nous avons pour nous faire. Et nous avons dit, et l'école là l'a pourvu, 3 septembre 2018. Mais avant, date ça, 3 septembre 2018, nous avons gagné une période côté que nous avons fait des rencontres avec les professeurs, des rencontres pédagogiques. C'est comme si nous avons une rencontre avec tous les professeurs avant même que 3 Et septembre l'arrivée. Nous dit dépôt décision fin d'année il y a un paquet d'importance. D'abord, c'est les mêmes qui permettent nous dit pour chaque école qui était présentée déjà liste décision yo, liste formation de classe yo, mais quantité monde qui réussit, mais quantité monde qui parle dans classe supérieure. Donc contrairement à l'autre année, nous disons année ça l'app d'application stricte, ça veut dire dans date 16 juillet pour arriver 17 août, toute décision fin d'année pour tout établissement scolaire, vous devez déposer. Yo. Et nous gagnons aussi campagne à faire sur ça, et nous déjà remercier toute radio, toute télévision qui a parlé de ça, qui a dit qu'il faut que vous remettez dans le SAO, sinon, vous même pas de problème, vous même pas de problème par vous. Parce que nous avons un ensemble de responsables qui prend plaisir pour faire du désordre dans la question de remettre ça dans la décision fin d'année. Parce qu'il y a une possibilité pour faire magouille là-dedans, il y a une possibilité pour faire des actes qui ne sont pas corrects. Nous disons que nous avons 17 septembre pour arriver 19 octobre 2018.
eh bien, c'est dépôt de liste de formation de classe de l'exercice 2018-2019. Donc, formation de classe, là, liste formation de classe, là, les ont importance capitale. Parce que c'est lui-même qui dit, mais quand il était timoun, nous gagnons qui dans l'école là. Mais quand il était timoun qui est inscrit et qui là, ou clos, ou fermé, l'école, ça dit, à partir de jeudi, je ne vais pas gagner timoun comme 4 ans, mais quand il était bien. Et nous dit, ça, lui-même, il n'est pas prêt, non. Comme si je me dis, nous avons liberté complète. Avec dit, on a une liberté décision, on a une liberté l'information de classe n'importe où vous voulez. Non, ça n'a pas fait. Et pour aller ça, on dit, tout le monde y a gagné pour déposer l'information de classe 17 septembre pour arriver 19 octobre 2018. Il y a aussi formulaire d'inscription pour examen d'état. Nous dit date qui est retenue pour ça, c'est 24 septembre au 26 octobre 2018. Donc, période ça, c'est période que mon eux-mêmes qui gagne responsabilité en dans l'école, a gagné pour faire des dépôt formulaire d'inscription. Nous gagnons aussi la période 8 octobre au 23 et novembre 2018, inscription aux examens d'État de 2019. Ça, c'est pour les nouveaux. Alors, nous te dit ça aussi, monde qui fait rec pour inscrit pour participer dans l'épreuve examen d'État. Nous dit 15 au 31 octobre, inscription au bac permanent, première session. 8 au 19 avril, cette fois-ci c'est 2019, c'est inscription au bac permanent, deuxième session. Puisque nous venons d'avoir une première session qui a fait en décembre et pour le bac permanent. Nous dit 25 janvier 2019, les baptisés Journée nationale de statistiques scolaires. 5 au 9 novembre 2018, c'est distribution et des formulaires d'enquête de 2018-2019 dans les écoles. Donc, ça, c'est une date qui est très importante pour les statistiques du ministère. Le coordonnateur du Grand Rassemblement des Forces Sociales dit regretter les événements malheureux survenus en Haïti les 6 et 7 juillet dernier. David Kossi pense que le pouvoir en place est responsable de cet état de fait. David Kossi a profité de l'occasion pour lancer un message clair à l'endroit du pouvoir en place en ce qui a trait au choix d'un nouveau Premier ministre. Il nous en parle. Nous-mêmes dirigeants politiques Grand Rassemblement Forces Sociales pays, nous regrettons en pile l'événement malheureux qui dépassait 6 à 7 juillet 2018 là. Mais nous reconnaissons tout ça, c'est notre responsabilité pour voir en place là. Qui ne peut jamais embrasser les revendications de ma peuple là, qui a vécu nos misères noires, côté soleil pas jamais levé pour eux. Nous-mêmes, nous avons force, nous habillons sans réserve toute démarche qu'a faite pour mettre en campagne un gouvernement tout neuf, qui a fait pour mission pour rassembler tout petit pays là, sous même table. Pour améliorer les conditions de vie, mais faut qu'il pas agir même Jean avec ancien PM Jacques Lafontaine. Faut que nous voulons mettre dans ça, pas que nous avons un ministre coup, Joseph Guilherme Sihis Delva. Faut que nous avons une autre équipe en dedans du ministère intérieur qui pas supposé un coup Ronaldo, qui était ancien ministre intérieur nul, avec un directeur général pour patate Fidel Monchéri, qui est échoué au gouvernement, n'a pas de passeport. Et qui tourne en agence voyage, nous avons passeport avec visa. Faut qu'on est dans l'ONM, pas d'accord mon directeur, d'un coup et de la joie. Alias, je termine. Papa masturbation. Comme un ancien professeur qui tourne en mauvaise image pour jeunesse haïtienne. N'a pas dit peuple là où Michel, prends note. Barré en haut, barré en bas. Ou dit Simon, dans CAS, prends tout comme restaurant. Mas peuple là, les bassins d'intégration d'Elval, ils ont façon pour protéger le pouvoir devant le président de la République là. Comme vous avez dit, peuple là, vous n'avez pas besoin ni craser ni bouler le parlement. Parce que c'est comme taxe nous qui construisons. Il y a un seul bagaille. Les parlementaires corruptent ça.
rive dans cette circonscription nous yo. Prend machine yo. Mettez machine ça yo en otage. Remet ministère finance avec chambre député ya. Et pas jamais voter corrupteur ça yo. Mal payé ça yo comme député dans genou encore. Conscient de la situation difficile et critique que traverse la population haïtienne ces derniers jours, le Rassemblement des organisations pour la stabilité d'Haïti exige du pouvoir en place un gouvernement démocratique compétent qui va travailler dans l'intérêt de la population haïtienne en général. Les dires de Hulda Kossi. OSDA, qui est le Rassemblement des organisations pour la stabilité d'Haïti, retirer chapeau bien bas pour saluer vigilance peuple haïtien qui échappait en bas coup d'état avec événement machiavélique force fait noir qui était organisé dans pays à dans date 6-7 juillet passé. OSDA condamné à toute force tout zak brigandage pillage crasé brisé avec déchoucage qui était fait sous vie avec bien entreprise publique coup privé. Les OSDA considèrent les conditions difficiles, lamentables, pitoyables et même critiques que la population haïtienne a vécu. Je ne dis pas, révolter conscience pour connaître l'ambiance rassemblement, une manière pour rassembler toute organisation populaire, leaders conséquents, partis politiques, secteurs, universités, à toute l'autre force vive qui dans le pays. Une façon pour nous dire non à déchoucage, non à coup d'État. Non à Zak crasé brisé, mais pour nous dire oui à un gouvernement légitime, démocratique, compétent, haïtien, natif, natal, qui pourra travailler cette fois-ci dans l'intérêt de ce peuple. Nous devons nous unir pour sortir le pays dans le marasme politique actuel, déclare l'agronome Jean-Daniel Petit, qui a profité de l'occasion pour faire passer son point de vue en ce qui a trait au choix de nouveau Premier ministre. Ses déclarations. Malheureusement, nous pas jamais travail pour mener pays à côté pour l'idée. Actuellement, pays a trouvé nous impasse. Il est dit que c'est un adage français. Les Français s'unissent que quand la France est en danger. Haïti est en danger aujourd'hui. Nous, les Haïtiens, nous devons pouvoir nous unir ensemble pour sortir le pays dans le marasque. Nous-mêmes, petite Pilagel. Parce que si nous pas mettre ensemble, personne ne peut pas venir faire pour nous. C'est nous pour faire. D'où je dis à la impasse de Premier ministre, il n'y a pas de problème ni président ni Premier ministre. Il y a un problème d'homme. C'est-à-dire des Haïtiens qui pensent pays qui veulent que Haïti sorte dans ça, nous mettons là. C'est nous qui mettons. Et si nous ne mettons pas la main ensemble, tête ensemble, mettez la haine de côté, la vengeance, eh bien, ça a pas venir à tellement catastrophique qu'il y a des gens qui ont épargné. Qu'on y a nous-mêmes, en tant que dirigeants politiques, et très bientôt, nous avons sorti une plateforme politique et nous avons demandé aux peuples haïtiens, moi-même qui parle, diriger ces prévoirs. Dès que nous avons venu avec la Constitution 1987, là, nous avons dit que la Constitution a mené le pays dans la gêne. Dieu soit loué, nous pas qu'on a géré, non, mais nous à bol. D'où maintenant, moi me conseiller à président République là, puisque président toute nation, président tout haïtien, c'est pour le travail, pour payer à parité côté lié là. Pour premier ministre qu'elle pas choisir, premier conseil, faut-il bien que ce soit un homme politique. Un monde qui a fait politique jour et nuit. Un monde qui connaît l'histoire pays. Parce qu'il y a un peuple qui ne connaît pas l'histoire pays et il y a un monde qui dirige qui ne connaît pas l'histoire pays à tout. C'est dans la bim qu'on va mener. Cette année ramène le centenaire de naissance de Nemo Jean-Baptiste. Le ministère de la Culture a décrété cette année année de Nemo Jean-Baptiste. Pour ce centenaire, diverses activités s'effectuent. Ce mercredi, au Ciné Triomphe, au Champ de Mars, des activités comme conférence-débat autour de Nemours Jean-Baptiste, projection de films étaient au menu. Nous, on est année, ça, c'est l'année centenaire de Nemours Jean-Baptiste. Et c'est Nemours Jean-Baptiste, il a bien 100 ans. C'était le 2 février 1918, je suis mort le 18 mai 1985, mais le février 2018, là, il a bien 100 ans. Moi, c'est la presse thématique. L'année d'après, commémorer la venue de Nemours Jean-Baptiste, nous organisons un mes deux guillemets. Nous avons dit là, c'est dans le cadre de lancement
et programme de Mouyon Baptiste. Et côté qui sous patronage du ministère de la Culture, on a organisé une activité là avec les étudiants de l'URSS. D'autres activités sont prévues dans le cadre du centenaire du fondateur du Compas Direct. Il y a une conférence de débat sur la vie artiste là. Nous avons profité pour nous dire la presse. Nous avons fait dévoilement et bus de Mouyon Baptiste à Place Sainte-Anne. Je pense qu'après ça, et le 29, ici en Aptonne, ici en Conabine, et dessiné des plaques d'honneur. Aux opérateurs culturels, on est capable de promotion musique haïtienne. Et avec Michel Tamitier. Nemours Jean-Baptiste Junior, fils de Nemours Jean-Baptiste, qui s'entretenait avec la presse en cette occasion, a relaté les différentes problématiques du Compas Direct. N'écoute pas les avantages auxquels bénéficient les artistes du Compas Direct. Sa formation musicale, Immortel Compas, performera ce dimanche au Champ de Mars. On artiste qui vivent de Compas, parce qu'on artiste millionnaire de Compas. Même que et moi-même étant que petit de mon Jean-Baptiste, je n'ai rien de comparé. Parce que je suis capable de dire, jodi à la, si je viens de bagage jodi à la, c'est grâce à ministre Delva qui prend moi, qui met un bon côté lui, et puis qui encadre, qui crée que je suis capable de dire, qui rend tape à moi-même jodi à la. Comme et Richie te font en musique, il te dit comme ça que monsieur le ministre, sortez faire pour nous. Je te dis rien, mais je dis à la, capable de dire qui font bagay pour nous. Parce que ils font bagay pour petit I. Parce que actuellement, la Kounia là, même que capable de dire que le gouvernement remet démission. Le gouvernement démissionnaire. Oui, le gouvernement démissionnaire, mais au moins capable de dire que ils font bagay. Mais si c'est pour monsieur riche dans le compas, monsieur pas riche seulement, mais monsieur millionnaire dans le compas. Une grande différence. C'est seulement qu'on est compas à l'évine puis modernisé. Parce que on a essayé des bagailles longtemps. Et à l'époque, papa m'était compte servi. Qu'on y a là, monsieur pas servi avec encore. Mais, t'es une époque, monsieur, t'es qu'on a servi avec des CD, deux machines, tout le monde t'es qu'on a couru derrière. Parce que question de pas de tambour, pas de gong. Et pas de batterie, bah ça en pile surtout dans zone anti là, tu qu'on a pour idée yo là parce que le groupe là supposé jouer live. J'ai l'impression que dimanche si Dieu veut, c'est là après ça là y a pour moi. Parce que m'a joué live les ça parce que moi même son chanteur et c'est musique de monde que m'a interprété. Si nous pas joué ici, j'ai l'impression que c'est dans kiosque là ou bien nous jouer et bon, même que Kessa et Chant Mas toujours, mais nous jouons live là, sous place. Le rappeur Tchak célèbre ses 40 ans ce mercredi 25 juillet. À l'occasion de son anniversaire, le staff organise une grande activité à l'avenue Poupleur, quartier général du rappeur. Cette activité s'inscrit également dans le cadre de ses 25 ans de carrière dans le rap créole. Jeudi à 25 juillet 2018, nous connaissons que Tchak lui-même lui fait un 25 juillet 1977, ça veut dire que je dis à ma célébrer 40 ans et puis 25 ans que je suis depuis le rap créole. Alors je dis à l'âme de célébrer avec toute communauté rap créole, avec toute zone. Chaque mouvement rap créole dans l'EPAP, ça veut dire que quand je suis 40 ans, ça veut dire que je suis 25 ans depuis ma travail dans le mouvement rap créole. Là. Et je pense que bon, je devine malade, tout quand je suis là, je décide de me poser une pause, je vais faire l'autre travail, je vais besoin devant scène, mais je suis toujours là pour me courir l'autre talent qui a fini et qui n'a ghetto, qui n'a zone, qui n'a bloc moins. Un sentiment de devoir accompli pour le rappeur, tant sur le plan culturel que sur le plan social. Le rappeur procédera à une vraie signature en vue de permettre à sa communauté de revivre tous ses bons textes. Éviter ça, n'a pas DJ et n'a pas artiste dans zone qui a venu performer, même si avec d'autres artistes rap que là que nous invitons à venir, tant que Fantôme, tant que Figgy Business, n'a pas un pilote artiste et rap qui n'a que là qui a plaqué ensemble avec nous. Et puis je tiens tout lui-même, parce que juste ça, je dis à la, moi, pour faire un bel rallye avec le public, communauté rap que là, sur passer de travail que je fais un rap que là. C'est un sentiment de fierté pour le sponsor de collaborer avec Tchak pour la réalisation de ses activités. Ces activités qui, selon lui, diminuent la violence juvénile. Le studio de l'Orwell que j'ai regardé là, nous sommes podium là, podium ça là. Espace côté nous est là, sur l'espace côté nous avons pile fatra. Nous menons de l'Orwell que nous filmons de l'Orwell que sous pied. Nous avons décidé de nous faire un bel podium là pour nous exposer des talents qui gagnent dans la zone.
et nous fait go activité ça et nous continuer parce que tout en nous gain possibilité pour tout nous souffre. C'est satisfait parce que mon café nous connaît que nous Steve qui c'est un plus gros tant exemple de Simon qui nous était prêt que nous devons mettre dans groupe Gabin Family que nous fait un bel travail avec lui et qu'on a qui grandit qui vient assez mature et puis qu'on a quasi qui vient mettre groupe là parce que petit Steve plus grand et moi James Bell que ça avec moi là tout qui c'est un gros exploit que côté James tu commences avec création plus et qu'on a venir création plus comme une gros compagnie qui vient sponsoriser l'activité ça là aujourd'hui là et moi décider faire un ventier du côté que toute musique que m'était gagne que m'était travail rap créole là que fanatique qui a venu yo ka vinn prendre sous support pas céder parce que mais pas essayer venir avec une autre stratégie là côté au lieu moun yo ka vinn prendre sous céder y a ka vinn prendre sous support téléphone 4 mémoire job pour comprendre jamzou et pour faciliter consommateur ka jeune produit rap créole tout album que m'était sorti yo que c'est album rap une famille ensemble avec l'autre groupe et album mixtape de Love Records volume 1 volume 2 à dernier qui c'est dernier album que me sorti là yo ka vinn prendre lui et parce que ça c'est tout travail que me fait global en rap créole là et puis tout le monde démarre je chaque bœuf des bâches pour qu'a gagne comme souvenir parce que je sais quoi font petit pause mais quand même n'a toujours gagne comme souvenir là quand nous chaque lui même c'est un rappeur qui débutait ensemble avec et moi même moi commencé et dans même époque avec chaque nous t'habiter même côté nous t'es l'école et caille frère ensemble que nous grandi je dis hein, c'est un pile plaisir pour moi même et malgré qu'il y a pas mal mouvement que me t'ai participé comme ASRAP qui est association des rappeurs que moi été fait avec support création plus qui t'a aidé dans plus jeune âge mais qu'on a création plus même c'est les dans visual effect dans vidéographie nous charger l'autre monde que nous produit. Mais je dis que et pas dans le même niveau que compagnie nous avons une possibilité que pour aider tout le monde qui était souhaité pour nous. C'est toujours le même sentiment. Le premier sentiment, c'est ça aurait anti-délinquance là. Et anti-délinquance, ça veut dire délinquance juvénile que nous avons croisé depuis nous t'es jeune, nous t'es connu depuis nous faire mouvement rap. C'est un mouvement qui t'a imposé que je jeune à l'envolve dans de mauvaises situations. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque son frère lié pour moi, je suis envolve en tant que frère, non, mais je suis envolve en tant que jeune qui a aidé jeune. Parce que chaque lui-même, c'est frère lié en partant. Si je répète ça encore, c'est pléonas lié. Mais mouvement sacré et n'a pas délinquance juvénile là parce que chaque monde que n'a exposé aujourd'hui là si jeune dans zone là qui vient pour chanter qui vient pour présenter talent yo et c'est-à-dire c'est ça que le mouvement et anti délinquance juvénile là. La bande Chaba Number 1 vient de fêter ses 6 ans au cours du mois de mai. Cette jeune bande à pied travaille sur 3 nouvelles musiques. À travers ces musiques, les thématiques comme l'amour, le social seront traitées. En ce sens, les précisions du président de la bande, Chaba Number 1. On est maintenant nous jeunes, c'est vrai. Mais on connaît que on hôte qui dit que aux Zambiens là-bas on attend pour le nombre des années. Sous nous gagne 6 ans nous-mêmes, gagne 2 Chaba, gagne Level et puis gagne Number 1. Sous nous-mêmes si Chaba Number 1 nous gagne 6 ans, gagne 6 ans. Et sous nous fait c'est pour mimi, au bon premier année sous nous 6 ans là. Nous-mêmes pourquoi la majorité sur le level la Chaba level ça c'est plus grand que nous-mêmes mais vous connaissez presque nèg ça au gain peu là-dedans qui était dans le level sur juger bon yo créer un autre même j'en gagne ça pour musique gagne ça pour nous-mêmes nous faisons un autre nous font l'autre ben. Elle a participé dans plusieurs activités en Haïti et à l'étranger. Ses participations sont toujours fructueuses confirme son président. Nous préparons dans plusieurs activités. Ce concours, le carnaval Bel Air, quand fait non, nous participons dans le carnaval qui fait non, Myria, quand fait à Nidelma, et puis nous quand jouons dans Baye Bonfil, dans CCF, dans CFC, au Cobon, nous toujours là, nous avons programmé là nous-mêmes, nous là, dans quelque chose, ça invite nous là, sauf et à cette différence que nous-mêmes, nous essayons plus social, c'est plus social nous faisons nous-mêmes. Nous faisons tout champion là. Non, on va gagner boulet ou point com. Il défend aux États-Unis sous Chaba Level, sous Aram, sous Envahir, tout le monde qui joue avec Kouni, bagaille, nous champions. On va garder l'opre level. L'opre level qui gagne tout le temps ça ou là. Et puis, on va prendre Aram qui gagne tout le temps ça ou là. Nous-mêmes, gagne 6 ans. Sous nous, gagne champion. Nous gagne champion déjà 2017. C'est pas ici seulement. Nous faisons comme ça pour champion. Ça veut dire que nous-mêmes,
bon, public à nous-mêmes, nous, ils sont ça avec nous parce que nous-mêmes, ça n'a fait reproductif. Vous comprenez, reproductif. Et puis nous différents de vous.